Ça, c'est du butin. Le jour est là, mais n'oubliez pas que le grand sablier de la nuit a déjà été retourné. Niam, le bon récup. Mettez ça en poche. Le récup en bois est très utile dans la fabrication d'objets. Ne restez pas sans rien faire. Vous ne savez pas combien de jours il vous reste à vivre. Ces techs en bois suspendus dans ce mini-piaf. Vous y trouverez un établi d'amélioration. Voyons voir. Le récup en plastique là-bas pourrait vous être utile. Du récup en bois. Le genre de récup qui continue de pousser en réalité. Vous sentez ça? C'est l'enclos à Glurp. Choupsa ne doit pas être loin. Dit qu'il a entendu parler de ce qui vous est arrivé et ne vous en aurait absolument pas voulu si vous aviez renoncé pour rentrer chez vous.
prétend qu'elle est où il va, peu importe sa destination, pour l'instant. Il est impressionné par le courage qu'il faut pour en arriver là. Il sait qu'il se serait égaré depuis longtemps. Menace ou pas, l'idée de retrouver sa maison est bien trop alléchante à ses yeux. Il espère que vous trouverez un moyen de sauver l'arbre de vie, ainsi que le monde et toutes les maisons qui s'y trouvent, y compris la sienne. Si votre maison représente quelque chose pour vous, eh bien, il s'en fiche. Il souhaite simplement que vous pensiez aux gens comme lui qui n'ont pas vraiment la possibilité de sauver la leur, du moins pas tout seul. Parfois, il se demande à quoi ressemblerait la vie s'il habitait ailleurs, une autre maison. Même lui, il serait peut-être différent. Suppose que c'est la raison de votre retour après une si longue absence. La maison finit toujours par nous manquer. N'en revient pas que le monde puisse survivre. Suppose qu'il peut garder sa maison au final. Pense que vous avez fait de votre mieux pour arranger les choses, et pas seulement pour votre pomme. A entendu dire que les myriades vous ont ouvert leurs portes. Tout est tellement aéré et lumineux chez eux. Ça ne vous a pas fait peur? Trouve ça étonnant. Ça n'a pas l'air assez douillet pour faire une bonne maison. Mais bon, après tout, comment vivent les autres, ça ne le regarde pas. Il dit que quel que soit votre avis, plus grand ne rime pas avec mieux. Ça veut juste dire plus grand. Ce que l'on voit n'est pas une fatalité. Il y a bien plus que ce que nos yeux nous permettent de voir. Son nom est Choupsa. Un nom ne signifie pas grand-chose, peut-être, mais sachez qu'il a bâti ses fondations sur quelque chose de plus grand que lui. Le monde courant à sa perte, le temps est venu pour lui de trouver une nouvelle maison qui corresponde mieux à ses besoins. Dit qu'il a passé une vie merveilleuse jusque-là, mais qu'il se fait vieux. Il est temps de voir les choses en plus grand. Choupsa dit qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Bien qu'il s'y trouve spirituellement, émotionnellement et physiquement, il a l'impression d'être loin de l'endroit où il voudrait se trouver. En se liant véritablement à quelque chose provenant de cette terre calcinée, comme une carotte, on se lie avec la terre comme si on était connecté à la vie. Lorsqu'il continuera, vous comprendrez. Choupsa se demande si vous avez vu des carottes dans la terre à proximité. Il en a besoin d'une depuis un moment, mais il doit à présent agir tant qu'elle n'a pas déjà été digérée. C'est un poisson qui vient de passer ?